Bienvenue sur votre espace de reprogrammation positive. Si vous êtes aujourd'hui avec moi, maintenant, c'est un jour mémorable car vous êtes prêt à faire ce passage. Arrêtez de fumer. Redevenir sain et naturellement pur. À chaque inspiration, retrouvez l'oxygénation de vos cellules. Vous allez investir ce petit temps pour vous. Soit cette méditation sera l'unique et suffisante pour que plus jamais vous n'ayez envie de fumer. Soit un cycle de 21 jours pourra être suffisant, soit plusieurs cycles, comme votre avancée en conscience, un pas après l'autre. Merci pour nous tous de cette détermination et de cette volonté d'amour de vous-même comme des autres, de respect dans un endroit confortable et calme, tranquille avec vous-même. Vous pouvez invoquer les divinités, le nom que vous donnez à votre guidance, Dieu, Grand Esprit, Allah, Bouddha, Krishna, les anges et archanges bienveillants, les animaux, esprits, totems, puissants alliés, tout ce dont vous avez accès par votre culture et votre ouverture, votre subconscient, votre inconscient collectif, notre être, l'intelligence cosmique, infinie, éternelle. Ce jour, vous vous en souviendrez toute votre vie, où vous avez décidé. Et vous pouvez le répéter avec moi. Maintenant et ici, j'ai décidé d'être libre. Je choisis de me libérer. Et avec cette respiration, vous ressentez votre thorax se soulever et distribuer à travers vos poumons et vos alvéoles qui se régénèrent. L'oxygène bienfaisant dans vos artères qui se soulagent, se nourrissent et se nettoient. Et dans l'expiration, vous laissez partir en fumée ce que vous croyez être. À chaque inspiration, vous vous sentez grandir en lumière, en conscience, et vous sentez la détente s'installer dans votre corps, dans vos pieds, connecté à la terre, dans votre chair, précieuse et sacrée, présent. Ma voix vous guide. Je suis un canal pour l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, de paix et d'amour. Car vous êtes précieuse et aimée.
Et en ce jour, vous choisissez de vous permettre de le ressentir et de le manifester. La détente s'installe et remonte dans vos chevilles, dans vos jambes, dans vos genoux. Comme les va-et-vient des vagues de l'océan d'amour, votre respiration entraîne cette détente, hypnotique et douce, thérapeutique, cette puissance naturelle et ancestrale qui vous appartient, qui nous appartient et nous relie dans l'amour divin. Et la détente s'installe dans votre bassin, dans vos organes et cellules, ce qui déjà ressent la libération et l'amour. Et votre cœur bat de plus en plus tranquille et serein de ce choix, de cette détermination, de cette bienveillance. Et la sérénité jusqu'à vos doigts circule dans chaque parcelle de vie, s'anime en vous cette force dans vos poumons, un air bienveillant, rafraîchissant, régénérant circule. Et vous voyez comme de petites étincelles qui régénèrent toutes les parties de votre corps en profondeur. Ces étincelles de lumière vous font grandir de l'intérieur avec facilité. Vous vous sentez soulagé de ce choix en son temps et à la bonne heure. Vous saviez que vous étiez prêt ici et maintenant pour vous-même. Et vous laissez votre conscience observer sans juger. Et douceur s'installer avec ma voix en profondeur. Vous avez choisi d'être libre. Vous pouvez répéter. Je suis libre. Et vous avancez dans l'imagination sur un sentier entouré de fleurs. La lumière régénérante du soleil caresse votre peau. Et plus vous avancez sur ce sentier, chaque pas sage vous renforce et vous inspirez d'une façon nouvelle l'air pur qui circule dans tout votre être, vous nettoie et vous régénère à chaque pas dans la lumière rayonnante.
vous sentez pétiller l'amour. Ce sentier merveilleux que vous choisissez d'emprunter maintenant. Et chaque pas vous rapproche de votre être éternel, innocent, pur. Et vous vous enlacez maintenant. Vous enlacez la pure lumière, peu importe le nom qu'elle vous donne et que vous lui donnez. Et cette détente nouvelle, profonde, de pleine conscience, légère et ancrée, avec ce recul nécessaire, nous allons voyager dans vos souvenirs et mémoires pour les corriger et les assimiler à votre guérison, à notre guérison. Rappelez-vous maintenant cette première bouffée de tabac. Où étiez-vous et avec qui? Ma voix est distincte et comme un baume vous accompagne. Vous êtes main dans la main avec la lumière pure, la vérité. Vous vous souvenez très bien et de mieux en mieux de cette première bouffée ou pour faire plaisir ou pour montrer que vous étiez aussi bien que cette personne idéalisée. Vous avez envoyé dans votre corps tous ces poisons inconscients. Votre corps vous a averti, ressentez, rappelez-vous. Peut-être avez-vous toussé. Un malaise profond vous a envahi. La nausée, des vertiges. Soyez honnête. Vous saviez que ce n'était pas le bon choix et que ce n'était pas de cela dont vous aviez besoin. Regardez en face cette personne et voyez sa déchéance. Regardez l'être de lumière que vous êtes aujourd'hui, qui vous accompagne pour nettoyer cette erreur, cette mémoire erronée. Envoyez de l'amour à cette personne et refusez de vous empoisonner. Vous n'en avez pas besoin pour être accepté, car vous êtes aimé par des êtres bien plus grands et vrais. Vous êtes un enfant béni de la vie, de la terre et du ciel. Et vous sentez cette libération. Vous sentez l'amour vous envahir et vous nettoyer. Vous avez pardonné à cette personne qui croyait bien faire inconsciente.
et la rédemption aujourd'hui et maintenant, et votre libération. Je suis libre et je te libère. Je suis béni et je te bénis. Mon corps, mon précieux corps, se nettoie à chaque inspiration de cette nouvelle manière d'être. Et j'avance sur le chantier, main dans la main, avec la lumière d'amour infini qui est en moi et tout autour. Et je choisis de m'allier maintenant à cette nouvelle façon, cette compréhension. Cette façon de voir, de ressentir et d'entendre. Je me retourne encore une fois avec vous et nous observons toutes les fois où la petite voix, où cette conscience bienveillante en mon corps, cette conscience naturelle, m'a demandé d'arrêter. Et enfin, je suis prêt. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts à l'accueillir. Vous vous pardonnez de ne pas avoir écouté avant. Vous croyez que c'était cela être fort. Car ces images erronées vous ont été transmises par des personnes malades, contre nature. Et même les anciens natifs n'ont jamais avalé cette fumée. Et par l'amour, de nos ancêtres sages, les plus sages, éveillés. Nous ne faisons qu'un avec la lumière d'amour, avec l'univers, la vie. Et cette profonde inspiration vous pénètre en profondeur et vous nettoie, vous régénère. Ce souffle nouveau, vous l'accueillez en plein, dégagé. Votre respiration est plus claire, plus profonde, plus vraie. C'est votre vraie nature d'être libre. Vous le ressentez et avec quelle aisance c'est facile pour vous d'arrêter. Ces comportements sont le passé de mémoires erronées. Et vous voyez aujourd'hui la réalité plus grande s'ouvrir pour vous accueillir dans cette vie plus belle, en santé. Et toute cette énergie nouvelle s'installe. Vous continuez la route avec la lumière d'amour qui vous accompagne.
Le ciel est d'un bleu extraordinaire et paisible. Vous allez vers un arbre immense et majestueux. Et vous vous adossez avec cet arbre immense et vous ressentez sa sagesse et la nature similaire qui vous habite ensemble. Vous posez vos mains sur son tronc et vous inspirez. Votre cage thoracique se soulève avec aisance et douceur et ce souffle pur, le plus pur de votre vie, cette renaissance en vous. Vous inonde de la gloire de la vie. Elle nettoie chacune de vos cellules, toutes les particules de vos bronches, vos bronchioles, et elle se dégage. Et vous soufflez tous les mensonges collants qui partent dans cette lumière d'amour. Et l'arbre vous aide et aspire tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui n'est pas vivant, tout ce qui n'est pas vous. Ressentez la liberté et la guérison, la paix libre, l'amour, puissance suprême, vous galvaniser et vous enrichir ici et maintenant de sa force, toujours. Et vous vous retournez une dernière fois, accompagné de cette force. D'amour pour vous. Et vous observez deux amis dans une soirée pleine de fumée, si jeune et inconscient. Une de ces deux personnes a choisi un autre chemin. Ils ne se sont pas vus depuis des années. Une de ces deux personnes est comme vous, ici et maintenant, guérie, en pleine possession de ses moyens, a retrouvé sa vraie nature. S'est reconnecté à son soi divin. Vous la voyez rayonnante. Sa peau est parfaite. Sa vue est parfaite. Sa voix est profonde et limpide. Son aura est resplendissante, apaisante et en même temps elle est pleine d'énergie. Son corps est souple, aligné, conscient et aimé, cela se voit. Son sourire est sincère. Il vous sourit
Cet être vous sourit et vous vous reconnaissez et vous inclinez votre tête. Et cet être va vous montrer ce qui lui est arrivé. Alors qu'il se promenait, il a croisé son ancien copain, cette connaissance. Ravi de le revoir et réciproquement, ils échangent quelques mots. Mais de suite, l'autre personne qui n'a pas suivi le chemin de la rédemption, de la libération, patauge dans la fiente, dans la fange. Son odeur est nauséabonde. Ses traits sont tirés, il s'est rapetissé, moins agile, terne. Et il essaye d'entraîner l'être de lumière dans la fange. Alors, avec amour, il lui a dit « Merci, je préfère continuer sur le chemin de la vie. Peut-être vie, mort, vie, encore et encore pour toi. C'est ton rythme, mais moi, j'ai fait le choix. Il y a longtemps maintenant, et je m'en souviens. C'est une telle joie, je te la souhaite. Je dois y aller. Merci. » Et il a remis son ami à la lumière d'amour, à son rythme et à son processus de nettoyage. Il a fait de son mieux pour lui envoyer des pensées positives d'amour. Et maintenant, il nous sourit. Et nous aussi, nous allons continuer notre route du vivant, pour élever en conscience, être un modèle pour nous-mêmes, nos ancêtres et nos enfants. Comme c'est facile, comme ça peut être facile. Avec cette nouvelle détermination, cette nouvelle force, vous n'aurez maintenant plus jamais besoin de vous empoisonner. Vous le savez. Et si jamais la tentation, comme cet ami, soi-disant, qui cherchait votre bien, dans sa fange, vous sentirez le besoin de respirer en profondeur, de vous faire du bien. Vous choisirez la bonne option avec aisance. Ce pourrait être vous étirer, méditer, rire, boire une tisane de plantes, respirer, sentir la rose, le printemps, la brise rafraîchissante du vivant. Laissez s'installer en vous cette paix, cette force. Dans la gratitude et la reconnaissance du vivant en chacun de nous. C'est votre choix,
votre libre arbitre et vous avez fait le bon choix. Nous vous félicitons. Vous pouvez vous féliciter. Tant de possibilités nouvelles s'offrent à vous. Quelle richesse. Quel bonheur. Vous l'emmenez avec vous. C'est un cadeau, un présent que vous vous faites ici et maintenant. Ancré en profondeur, votre subconscient va vous aider avec aisance à trouver vos vrais besoins à chaque instant. Besoins primordiaux et naturels. De respirer en conscience, de vous hydrater, de marcher, de bouger, et vous grandissez en souplesse, en joie, en inspiration. En créativité, en confiance, en sérénité. L'amour circule en vous. Votre système immunitaire est renforcé et votre système respiratoire est maintenant dégagé. Chaque nouvelle journée est une victoire. Ressentez ce bien-être infini. Félicitations. Prenez le temps de savourer votre victoire pour vous-même et votre nouvelle santé plus belle, plus forte. Vous vous voyez rayonnant de santé, respectant votre vraie nature en conscience. Vous êtes libéré et vous pourrez partager cette joie et montrer au monde combien il est facile de changer une habitude douteuse par des habitudes merveilleuse.